Salut, je sais que vous êtes là. Donc la vidéo là est pour vous. Cette vidéo justement pour transformer votre fantôme en dessin. Je l'ai fait donc pour vous, pour les gens qui ne savent pas comment on le fait. Alors suivez, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens de l'application, j'ai laissé dans la description et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir les codes de cette application-là. Puisque dès que vous allez télécharger cette application-là, ça va vous demander un code. Vous allez devoir regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir ces codes, car ces codes-là se trouvent dans la vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vraiment c'est la version pro de Photolab, cette application-là est nommée Photolab. Je vous explique, c'est juste une présentation. Je voulais vous faire une présentation de cette vidéo. Bien, 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 voilà. Il y a un tonnement de fonctionnalités dans cette application-là. Lorsque vous choisissez votre photo, vous cliquez sur la flèche là. Et puis, vous laissez réagir la connexion. Ça va transformer votre photo automatiquement sans faire des efforts. Donc, les traitements, c'est automatique. Donc, dès que ça traite votre photo automatique, ça affiche le résultat. Vous allez voir que votre photo est transformée. C'est facile, voyez, c'est très simple, c'est pas difficile. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous donne les codes de l'application maintenant, donc, car vous allez télécharger. Le lien est dans la description, j'ai voulu dire, le lien est dans la description. J'ai choisi une autre, je sais, avec cette marque, j'ai choisi pour vous montrer si, donc, ça marche, c'est pro. Vous n'allez pas avoir de pub, le logo de pub sur votre photo. Ça, votre photo sera donc automatique. Bien, vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo si vraiment ça vous a aidé. Pour les gens qui ne comprennent pas la description, c'est en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur une flèche là-bas, vous allez voir ce qu'on a écrit dans la description. Vous allez voir et je vais laisser le lien de l'application là-bas. Télécharger. Ensuite, vous userez les codes que je vais mettre maintenant. Là, juste les codes de l'application. Vous allez donc l'avoir. Maintenant, en dessous de la photo là-bas, juste je vais mettre.